Moi, je me sens bien à Nantes, je me sens. Personnellement, on m'a jamais montré que je n'étais pas nantais. Nantes a adopté depuis longtemps une politique d'accueil des étrangers sur son territoire. Une politique partagée avec les acteurs associatifs, institutionnels et avec les étrangers eux-mêmes. L'égalité, l'intégration et la citoyenneté constituent aujourd'hui le fil rouge de son action. Pour les étrangers primo-arrivants, les demandeurs d'asile et les étudiants, pour tous ceux qui arrivent à Nantes par décision, par choix, parfois aussi par les hasards de la vie, tout commence par l'intégration dans la société d'accueil. Nous, l'intégration, c'était vraiment dans le sens d'un double mouvement, c'est-à-dire les efforts que sont obligés de faire ceux qui arrivent pour s'adapter à un pays nouveau, à une ville nouvelle, et puis en retour, la manière dont la société d'accueil, elle, se prépare et accueille ceux qui arrivent. Voilà. Sur le terrain, c'est la mission Égalité, Intégration, Citoyenneté qui coordonne la politique publique et met en œuvre les actions. Des exemples simples d'action, c'est de la formation d'agents. Si on veut que les populations s'inscrivent dans des parcours d'intégration, que l'on facilite ces parcours d'intégration, il faut pouvoir offrir aux agents les clés de connaissance, des clés en accès au droit, comment j'oriente les personnes. C'est pour ça que l'agent du service public qui est en face à face avec l'usager étranger doit pouvoir proposer l'ensemble de l'offre qui existe. Maintenant, on essaie de faire des formations qui soient beaucoup plus ciblées sur des métiers. Par exemple, là, on a engagé des formations des intermédiaires à l'emploi sur le droit du travail. L'autre offre que nous essayons de travailler, c'est la question d'outils d'information, de plaquettes, de guides d'apprentissage du français. Actuellement, on travaille sur une nouvelle formule d'un guide de l'apprentissage du français. Victoria, originaire du Kazakhstan, est aujourd'hui membre du CNCE, le Conseil nantais pour la citoyenneté des étrangers. Créé en 2003, c'est une structure emblématique de la politique nantaise. Au début, je suis allée dans le conseil pour retrouver surtout mes semblables, on va dire, pour retrouver des étrangers qui me ressemblent, qui ont des mêmes préoccupations que moi, pour me retrouver en fait avec des gens qui peuvent me comprendre, avec qui je peux partager quelque chose. Mais au fur et à mesure, je me suis appropriée ce conseil et c'est vrai que c'est devenu, je me suis sentie citoyenne nantaise. À la base, en fait, le fait de participer ou de contribuer ou tout simplement de s'associer, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. C'est devenu presque une culture. Pour moi, le plus important de faire partie de ces conseils-là, c'est de me sentir partie. De faire partie depuis que je suis arrivée, en fait, j'ai eu ce sentiment de faire partie de la ville de Nantes. Parce que sinon, c'est toujours cette étiquette d'étranger, ça nous laisse en dehors. Dans son rôle de co-élaboration de la politique publique, le CNCE propose des actions, des projets, qui sont ensuite repris par la ville. Un exemple, la question des vieux migrants. Avec la direction des personnes âgées, nous sommes en train de mettre en place une stratégie pour mieux identifier ces personnes et afin de mettre en place quelque chose de plus consistant. La mise en place du Conseil des étrangers, du Conseil nantais de la citoyenneté des étrangers, s'est fait sur la base du droit de vote et du fait que la non-possibilité des étrangers non membres de l'Union européenne de voter aux élections au moins locales en France, c'était la discrimination qui fondait toutes les autres. Véritable laboratoire en matière de dialogue citoyen, le CNCE fait entendre la parole des étrangers dans l'espace public. Ce qu'il faut promouvoir, c'est l'égalité. Et ce qu'il faut rendre réel, c'est l'égalité. C'est-à-dire que notre rôle, il est de s'assurer que les citoyens, tout au long de leur vie, sont mis sur un pied d'égalité dans l'accès aux services, dans l'accès à la formation, dans l'accès à la santé, dans l'accès à tout. Agir pour l'égalité de chaque citoyen dans la cité constitue aujourd'hui l'objectif majeur de la politique publique nantaise. Reconnue pour le caractère ambitieux de sa politique d'égalité, la ville de Nantes est très impliquée dans différents réseaux locaux, nationaux et internationaux.
Citons notamment la Coalition européenne des villes contre le racisme ou les réseaux Eurocities et CGLU, cités gouvernement locaux unis. En 2011, c'est au sein de ce réseau CGLU que Nantes a participé activement à l'élaboration d'un projet de charte Agenda mondial des droits de l'homme dans la cité. Une plateforme internationale d'échange d'expériences devrait être créée sur la base de 12 droits fondamentaux.